Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission « Autant le dire ». Camtel et Campost devront désormais contribuer à renflouer les caisses de l'État et non à les délester comme c'est le cas depuis quelque temps, déclarait Minette Libom-Liquin quelques mois après sa nomination au poste de ministre des Postes et Télécommunications en octobre 2015. 3 ans après ce discours musclé, Judith Ya Sondé était portée à la direction générale de Camtel à la suite d'un décret du président de la République signé le 14 décembre 2018. Au cours de la cérémonie d'installation du nouvel exécutif de l'opérateur historique des télécommunications au Cameroun, le ministre des Postes et Télécommunications a signé à l'équipe de Judith Ya Sondé quelques missions pour améliorer ses performances. La densification et l'extension des réseaux d'accès filaire, la fourniture massive des services haut débit aux ménages, aux entreprises et aux administrations et l'accroissement de la pénétration d'Internet dans les zones rurales. Quel bilan peut-on faire des 4 ans de Judith Ya Sondé à la tête de Camtel? L'entreprise publique est-elle désormais connectée à la performance? Nous poserons ces questions et d'autres à Madame le directeur général de Camtel qui nous fait l'honneur d'être notre invitée. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Madame le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur Tania. Merci d'accepter notre invitation pour cet entretien. 4 ans exactement que vous êtes directeur général de Camtel. Alors, comment se sent-on dans la peau d'un directeur général 4 ans après? Merci, monsieur Tania, de me donner l'opportunité de parler de Camtel, bien plus que de moi. Bien entendu. Donc, c'est un privilège et un honneur pour moi de pouvoir servir à la tête d'une aussi grande institution, l'opérateur historique qu'est Camtel. Alors, vous avez rappelé les obligations données par notre ministre de tutelle à l'entame de notre mandat. Absolument. 4 ans plus tard, je pense que c'est un exercice qui est difficile à faire que de s'auto-évaluer. Et de ce point de vue, je dirais que l'Institut national de la statistique nous a allégé le travail. Les dernières statistiques montrent que Camtel a gagné 2 points dans le classement des entreprises les plus performantes au Cameroun. En 2019, nous étions classés 13e et 2e, ou je dirais 3e plutôt, parmi les entreprises nationales. Et 3 ans plus tard, 2022, nous sommes premiers sur le classement des entreprises nationales devant la Sonara et Sodecoton. Donc, je pense que c'est, n'est-ce pas, un signe, n'est-ce pas, avec des faits précis qui montrent Camtel est sur la voie de la performance et que beaucoup de choses ont été faites depuis 4 ans. Alors, nous aurons le temps tout au long de cette émission de revenir en détail sur les performances de l'entreprise que vous dirigez. Mais je voudrais bien, Judith Ya Sondé, votre modestie dut-elle en souffrir, qu'on parle encore un tout petit peu de vous, ce ne sera pas long, rassurez-vous. Alors, une femme à la tête de l'une des plus importantes entreprises du portefeuille de l'État, est-ce qu'au quotidien, vous sentez le fait d'être une femme à la position qui est la vôtre? Je pense que être une femme, c'est quelque chose de magnifique, moi je pense. Je n'en doute pas. Et voilà. Et c'est vrai que le monde est un peu chauvin et que les hommes en général préfèrent être, si vous voulez, commandé entre guillemets par les hommes que par les femmes. Donc, c'est un exercice qui peut être relativement difficile pour les femmes. Mais personnellement, je trouve que je m'en sors plutôt bien. J'ai eu à diriger les hommes pendant près de 15 ans en tant que régionale dans le centre, dans le littoral, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Et il m'est arrivé plusieurs fois, n'est-ce pas, dans une salle de réunion, d'avoir tout le monde en veste sombre et j'étais la seule en couleur. Oui. Donc, je leur appelais
très souvent que de toutes les façons, qu'on soit femme ou homme, ce qui importe, c'est ce qu'on a dans la tête et que le pouvoir, ça s'assume. Absolument. Donc, je suis confortable à diriger les hommes. Passons maintenant à l'entreprise que vous dirigez depuis 4 ans et vous avez inauguré votre 4e année à la tête de Camtel avec une cérémonie que vous avez organisée il y a quelques jours pour le lancement de ce que vous appelez de ce que vous avez appelé techniquement le local roaming. Qu'est-ce que c'est? Alors, le local roaming, qu'est-ce que c'est? On entend parler local roaming, roaming national par opposition à roaming international. International, oui. Alors, en général, lorsque vous vous déplacez à l'étranger, vous avez votre numéro de l'opérateur national du pays d'où vous sortez. Et quand vous arrivez dans un autre pays, vous restez connecté parce que votre opérateur de votre pays a négocié avec les opérateurs d'autres pays pour que leur client continue, n'est-ce pas, à être connecté, même en dehors de leur réseau. Alors, par opposition à roaming international. Au Cameroun, nous avons innové en Afrique centrale pour faire le roaming national, local. Alors, notre partenaire MTN nous a accompagnés dans cet exercice et nous, en tant qu'opérateur historique, après 22 ans d'attente, nous avons finalement eu la grâce d'avoir cette licence du mobile. Et aujourd'hui, nous avons encore un réseau embryonnaire, s'il faut le dire comme ça, parce qu'il nous faut de nouveaux investissements pour pouvoir étendre notre réseau sur l'ensemble du territoire. Et pour ne pas faire attendre nos clients, n'est-ce pas, nous avons décidé donc de faire cet accord qui, en réalité, consiste à permettre à nos clients de pouvoir rester connectés, quel que soit l'endroit du territoire où ils se trouvent. Que le réseau de Camtel soit disponible ou non, ils passent automatiquement sur le réseau de MTN lorsqu'ils sont dans une zone non couverte par les réseaux de Camtel. Alors, c'est ce que nous avons appelé roaming national qui marche très, très bien. Alors, on sait très bien que le roaming international a un coût. La dernière fois, j'ai essayé et puis cela m'a coûté pratiquement un bras. Alors, est-ce que le fait pour les clients de Camtel qui se retrouvent dans une zone qui n'est pas couverte par Camtel et qui prennent le relais de MTN Valeur, Valois quelque chose, est-ce que ce roaming national a un coût? Il a un coût, bien entendu. Oui. Mais sauf qu'il n'est pas aussi exorbitant que, n'est-ce pas, le coût de roaming international. Oui. Aujourd'hui, l'État impose aux opérateurs de faire ce que nous appelons partage d'infrastructures. Tout à fait. Ce qui permet à ce que, au lieu de dupliquer les infrastructures chaque fois, lorsque c'est nécessaire et qu'un opérateur est installé quelque part, il partage ses infrastructures avec les autres opérateurs, ce qui amène à réduire les coûts d'exploitation et forcément, ça impacte positivement sur les prix. Donc, les prix sont un peu plus bas que si vous développez vous-même votre réseau. Absolument. Donc, en ce qui concerne le réseau, aujourd'hui, le local roaming, les coûts seront les mêmes. Donc, il n'y a pas un coût supplémentaire, n'est-ce pas, pour ceux qui passeront en roaming national lorsqu'ils seront dans une zone non couverte par le réseau de Camtel. Alors, aujourd'hui que vous partagez donc avec MTN ces infrastructures, est-ce que vous avez désormais une idée de la couverture, l'étendue de la couverture que cela peut faire gagner à Camtel? Aujourd'hui, MTN est couvert a couvert pratiquement 99% du territoire national, ce qui permet à Camtel, lui, il est à 92% de couverture. Donc, Yaoundé, Douala, les 10 régions sont entièrement couvertes. Par contre, nous sommes encore absents dans les zones reculées. Donc, avec le réseau de MTN, ça nous permettra d'être dans l'ensemble du réseau national. Donc, pratiquement 99% de couverture. Alors, que l'opérateur historique des télécommunications au Cameroun, Camtel, en soit aujourd'hui à squatter les infrastructures de MTN? Est-ce que cela signifie que pendant longtemps, vous n'avez pas investi dans cette infrastructure, que Camtel n'a pas investi dans cette infrastructure? Squatter, je ne dirais pas que c'est ça le mot à utiliser. Quel est le bon mot? C'est partage des infrastructures. C'est un terme qui est consacré dans l'industrie et ça se passe partout dans le monde entier. Partager les infrastructures, c'est bon pour l'environnement,
C'est bon pour l'État, c'est bon pour les clients. Ça permet de baisser les coûts d'exploitation. Donc, c'est quelque chose qui est fortement à recommander. Donc, nous ne squattons pas, nous faisons ce que, qui se fait dans l'industrie et qui est recommandé par, par le gouvernement. Alors, est-ce que Camtel n'a pas investi dans le réseau du mobile? Je dirais pas encore. Parce que ce n'est qu'en 2020. 2020 que vous avez votre licence. Nous avons eu la licence. Oui. Donc, il faut s'organiser, il faut trouver des équipementiers, il faut trouver, n'est-ce pas, le partenaire technique pour nous accompagner dans cet exercice. Et nous n'avons pas encore suffisamment investi dans notre réseau. Il faut dire que déjà en 2015, nous avons eu l'autorisation pour avoir un réseau embryonnaire. Oui, c'est-à-dire ? Un réseau embryonnaire, ça dit qu'un réseau pilote oui. pour commencer l'activité du mobile. Donc aujourd'hui que nous avons la licence, nous allons nous déployer. Et pour se déployer, bien entendu, ça se prend 2-3 ans. Donc, au lieu de faire attendre nos clients 2-3 ans, nous avons envisagé, bien entendu, avec l'appui de notre tutelle technique, de faire, n'est-ce pas, cette opération de roaming local qui permet à l'opérateur historique d'être immédiatement opérationnel sur l'ensemble du territoire. Alors, je parlais tout à l'heure, en introduisant cette mission, des missions qui vous avaient été assignées il y a 4 ans quand vous preniez vos fonctions à la tête de Camtel. Et ce sont d'ailleurs les missions historiques hein, de Camtel. Arrêtons-nous sur la première mission. Et là, je cite, « la densification et l'extension des réseaux d'accès filaire ». Alors, où en êtes-vous, sachant que, effectivement, vous avez eu votre licence en tant qu'opérateur de téléphonie mobile seulement en mars 2020. Alors, où en êtes-vous avec l'extension des réseaux d'accès filaire? Alors, il faut dire que Camtel, c'est l'opérateur historique, avec comme principale activité le réseau filaire. Tout à fait. Les téléphones dans les domiciles, dans les bureaux, dans les ménages, dans les petites et moyennes entreprises et bien entendu donc, les organisations gouvernementales. Alors, notre réseau a été très vétuste compte tenu du fait que Camtel n'était pas autorisé à investir. Vous savez, lorsque l'État a décidé d'ouvrir le secteur à la concurrence en 1998, donc il était question de privatiser Camtel. Oui. Et parce qu'elle devait être privatisée, aucun investissement n'avait été fait dans le réseau d'accès filaire. Alors du coup, bien évidemment, dans les télécoms, la technologie va très très vite. Très très vite, oui. Alors si vous n'investissez pas, bien évidemment, vous prenez un siècle de retard. Absolument. Donc vous pouvez bien vous imaginer que le réseau, de ce point de vue, a donc pris un coup, obsolète complètement, et avec cet octroi de la licence en 2020, nous avons donc envisagé d'étendre les réseaux, de le réhabiliter. Nous avons à réhabiliter certaines des artères du réseau dans les villes. Nous avons étendu dans les villes et nous avons aussi couvert certaines villes qui n'étaient pas déjà couvertes. Aujourd'hui, nous avons un produit qui est particulièrement prisé par nos abonnés, qui est la FTTX, c'est-à-dire la fibre Fiber to the Home ou Fiber to the Office. Yes. Et avec ce produit, vous avez 3 en 1, Internet, le téléphone et puis la télévision. Donc, c'est un produit qui est très, très prisé et nous avons donc pu étendre ce produit-là à l'ensemble de certaines villes du territoire national. Donc, alors, voilà. Oui. Alors, vous avez lancé dans la même veine un produit de Camtel Blue. Alors, aujourd'hui, le public a du mal à démêler les chevaux Camtel Blue. C'est quoi exactement Blue? En réalité, Blue, c'est la marque commerciale de Camtel. Ce n'est pas un produit. Oui. C'est une marque ombrelle, n'est-ce pas, qui chapeaute l'ensemble des produits de Camtel. Et nous avons voulu apparaître sous un nouveau jour avec des habits neufs pour dire Camtel, c'est frais, c'est nouveau, c'est smart. Et notre produit phare, donc, sera bien évidemment le mobile, oui. qui est
la dernière née, n'est-ce pas, de Kamtel. Mm. Donc, c'est ça, en réalité, le blues, c'est une marque. Je dirais, je peux prendre une analogie, un peu comme Viettel, qui est la société Viettel, mais donc la marque est Nextel. Nextel. Oui, donc je ne crois pas qu'il y ait de confusion à faire dans ce sens. Blue, c'est la marque Umbrelle qui chapeaute l'ensemble des produits de Kamtel. Et bien entendu, avec notre produit phare qui est le mobile, nous avons le Blue Mobile. Alors, vous avez justement, sur le marché de la téléphonie mobile au Cameroun, vous êtes le quatrième opérateur. Les deux leaders du marché de la téléphonie mobile au Cameroun aujourd'hui, c'est MTN et Orange. Et MTN, le Sud-Africain MTN, c'est environ 10 millions d'abonnés. Le Français Orange également, c'est à peu près 10 millions d'abonnés. Alors, c'est vrai que vous êtes assez nouveau sur le marché. Aujourd'hui, à combien d'abonnés pouvez-vous estimer votre clientèle? Alors, vous avez les chiffres exacts. Oui. Kamtel étant nouveau dans le marché. Le dernier né. Le dernier né, effectivement, sur le marché. Nous avions un réseau embryonnaire avec une autorisation de 5 millions d'abonnés. Et lorsque la licence nous a donc été octroyée, nous avons ajouté des licences pour pouvoir permettre d'étendre notre réseau à 1 million d'abonnés. Dans un premier temps, et bien entendu, nous avons l'ambition de rejoindre les grands pour atteindre 10 millions d'abonnés d'ici 3 à 5 ans maximum. Donc, vous vous donnez 3 ans pour atteindre 10 millions d'abonnés. Exact. Mmh. Mmh. En ce moment, vous êtes à peu près à combien? Nous sommes à peu près à 700 000. 700 000. 700 000. Oui. Mmh. Moins d'un million. Alors, pour faire 10 millions en 3 ou 4 ans, vous comptez sur quoi pour être aussi objectif? C'est une question de réseau. Oui. Vous comprenez, si vous avez votre réseau qui couvre l'ensemble du territoire national et que votre produit est de bonne qualité, nous pensons que nous pouvons atteindre ces 10 millions d'abonnés d'ici 3-5 ans. Oui. Alors, et sur la question du coût, peut-être le coût pourrait être également un élément d'attraction de la clientèle, non? Bien entendu. Quand vous êtes nouveau sur le marché, il faut toujours avoir quelque chose d'attrayant par rapport aux autres. Donc, soit c'est la qualité, soit c'est le contenu, soit c'est le prix. Évidemment, nous allons surfer sur ces trois différentes possibilités pour avoir le plus de clients que possible. Oui. Alors, on parlait de vos missions. Arrêtons-nous sur une autre mission. Il y avait la fourniture massive des services au débit aux ménages, aux entreprises et aux administrations et l'accroissement de la pénétration d'Internet dans les zones rurales. Alors, où en est-on en ce qui concerne la pénétration d'Internet dans les différents ménages au Cameroun, surtout en zone rurale? Nous allons commencer par la pénétration d'Internet dans les ménages, les administrations et les petites et moyennes entreprises. Alors, nous avons fait un bond dans ce sens avec la FTTS, comme je vous disais. Oui. Aujourd'hui, vraiment, Internet est répandu, n'est-ce pas, dans plusieurs ménages, dans plusieurs universités. Mmh. Toutes les universités sont couvertes, toutes les administrations également. Les petites et moyennes entreprises, c'est notre prochain cheval de bataille. Donc, vraiment, Internet a très haut débit et aujourd'hui disponible, n'est-ce pas, pour le commun des Camerounais. Toutefois, en ce qui concerne la pénétration, n'est-ce pas, dans les campagnes, nous avons encore du chemin à faire. Oui. Nous avons entrepris de travailler avec des partenaires américains qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de couvrir les zones rurales en 2023. Alors, la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale, a fait une étude récente et parle d'un taux de pénétration d'Internet de seulement 22%, une stagnation depuis 2016. Ah, les statistiques datent de quelle année? Alors ça, c'est une étude qui date de 2020 à peu près. Voilà. Vous voyez bien que de l'eau a coulé sous le pont entre 2020 et 2022. Oui. Donc la pénétration, je n'ai pas le chiffre exact, mais la pénétration est assez élevée aujourd'hui. Et même sur le plan africain, je pense que le Cameroun est en très bonne position par rapport à la pénétration, n'est-ce pas, d'Internet dans les ménages.
Alors, comment expliquez-vous qu'on n'ait pas un taux de pénétration beaucoup plus important que cela, Judith Yasondé, sachant que le Cameroun a quand même s'est connecté à 5 câbles sous-marins de fibre optique. On peut les citer, hein, il y a SAT-3, WAX, AS, CEL et NCSCS. Alors, 5 câbles sous-marins de fibre optique, cela devrait pouvoir booster quand même le taux de pénétration d'Internet un peu partout au Cameroun, non? Je dirais que ce n'est pas les 5 câbles sous-marins qui permettent de booster Internet, oui, n'est-ce pas, dans les zones reculées. Mmh. Ça permet la connectivité de l'ensemble du pays sur le monde. Oui. Donc, avec nos cinq câbles sous-marins, aujourd'hui, nous avons des grandes capacités qui permettront, n'est-ce pas, à l'ensemble du pays de pouvoir se connecter au monde. Mmh. Maintenant, par rapport à la pénétration, oui, ça, c'est le réseau d'accès. C'est un investissement supplémentaire qu'il faudra faire pour amener maintenant cet Internet, cette fibre à chacun des domiciles ou à chacun des entreprises et organisations. Mmh. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, oui, allez-y, je vous prie. Il faut aussi le noter qu'avec ces 5 câbles sous-marins, ça permet au Cameroun d'être toujours connecté. Mmh. Il arrive que certains câbles sous-marins soient coupés, quelquefois deux en même temps. Vous imaginez que si nous avions un seul câble sous-marin, ça, ouais, veut dire que le Cameroun serait pénalisé. Absolument. Mmh. Donc, c'est un avantage majeur, énorme, que d'avoir ces 5 câbles sous-marins et qui aujourd'hui placent le Cameroun comme un hub en Afrique centrale, n'est-ce pas, pour desservir l'ensemble des pays à la connectivité Internet. Mmh. Sauf que là encore, la Société financière internationale estime que c'est seulement le câble, par exemple, SAT-3 est exploité seulement à peu près à 15%, alors que WAX, lui, il est exploité à peu près 30% seulement. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une exploitation beaucoup plus optimale de ces différents câbles sous-marins? Bon, les chiffres ont quand même augmenté. Oui. SAT-3 n'est pas 17%, il est à plus de 28%. Déjà? Oui, déjà. Et WAX est à près de 39%. Oui. Donc, les chiffres ont augmenté. Et nous travaillons pour que les opérateurs, en général, c'est eux qui prennent les grandes capacités sur les câbles sous-marins. Mmh. Donc, nous travaillons sur l'offre parce que, il faut le dire, notre offre était quand même assez onéreuse. Oui. Donc, nous avons travaillé à la réduire considérablement pour la rendre plus attractive. Mmh. Nous avons également signé un partenariat avec MTN Connect. Absolument. Qui nous permettra de vendre nos capacités, n'est-ce pas, à l'international. Et nous avons également signé un partenariat avec Sudachad et Sudatel pour construire un câble entre le Soudan, en passant par le Tchad jusqu'à Kribi, qui permet d'avoir une route directe vers les Amériques. Et avec cette route directe, ça baisse la latence et ça rend le trajet sur le Cameroun plus attractif pour les éventuels clients qui viennent de l'Asie ou de l'Amérique latine. Mmh. Donc, nous pensons qu'avec des actions commerciales assez fortes, nous pourrons avoir plus de clients sur nos câbles sous-marins. Mmh. Alors, parlons justement d'action commerciale. Vous parliez tout à l'heure d'un formidable outil que vous avez, c'est-à-dire Internet à domicile pour avoir du 3-en-1. Non seulement on a Internet, on a la téléphonie mobile, la téléphonie et la télévision. Alors, qu'est-ce que vous faites ou alors qu'est-ce qui est envisagé pour démocratiser un peu la fibre optique dans les ménages des Camerounais, pour que chaque famille puisse aujourd'hui, on peut rêver, hein, être connectée à Internet. Aujourd'hui, vous me corrigerez si les chiffres n'ont pas été actualisés, on parle de près de 14 millions de ménages qui ne seraient pas dans la zone de couverture de la fibre optique, par exemple. Hmm. Je pense que les chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Oui. je crois que le plus grand, oui, si vous voulez, des ménages, c'est dans les grandes villes, absolument, n'est-ce pas, les métropoles régionales. Oui. Et toutes les métropoles régionales sont connectées à fibre optique. Et toute la plupart des métropoles ont également des boucles métropolitaines qui permettent de connecter l'ensemble des ménages. Oui. Donc, et maintenant, pour accéder dans les ménages? Pour accéder dans les ménages, nous devons
étendre le réseau oui. davantage. Et en ce qui concerne les prix, je pense que les prix sont très démocratisés. Si nous comparons, n'est-ce pas, nos chiffres ou nos données avec les autres pays africains, mm-hmm. je pense que le Cameroun a des prix qui sont extrêmement démocratiques. Mm. Alors, quand vous parlez d'extrêmement démocratique aujourd'hui, j'ai fait une petite observation aujourd'hui. Internet à domicile avec la fibre optique, c'est entre 15 et 25 000 francs. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un peu moins que ça quand même? Si nous regardons dans les pays voisins, oui. Internet à domicile, c'est 65 000. Vous voyez un peu? C'est 35 000 ailleurs, c'est... Mm. Nous sommes parmi les pays qui offrent l'Internet vraiment à très bon prix. Mmh. Nous sommes à 15 000 en fonction du débit, maximum 25 000. Je pense que c'est raisonnable. Bien entendu, nous allons encore travailler dessus. Oui. Rien n'est figé dans du béton. Nous allons travailler déjà à offrir le plus de connectivité possible en termes de réseau d'accès, en termes de qualité de service. Et bien entendu, nous allons voir dans quelle mesure c'est possible aussi de travailler sur les coûts. Oui. Et travailler également sur la qualité de la connexion, parce que la clientèle se plaint parfois de la qualité d'Internet qui est parfois lente, parfois qui s'arrête toute seule. Est-ce qu'il y a une raison à cela et quelles sont les mesures qui sont envisagées pour faire face à la qualité de la connexion Internet? Vous savez, la qualité de service est une préoccupation majeure pour l'ensemble des opérateurs. Oui. Et nous avons récemment eu un forum, tous les opérateurs, et ce forum était présidé par notre ministre de tutelle sur la qualité de service. Et bien évidemment, nous avions aussi le régulateur qui était avec nous pour nous accompagner dans cet exercice, pour qu'on puisse mettre sur la table les différentes difficultés que nous rencontrons et comment nous pensons les mitiger pour le bénéfice de nos clients. Nous avons énormément de difficultés à... parce que nous faisons face à des facteurs exogènes qui affectent négativement notre qualité de service. Vous savez, lorsque nous construisons les autoroutes de la communication, malheureusement, ces autoroutes sont détruites par les travaux publics lorsqu'ils font les routes. Et c'est très dommageable à l'ensemble de l'industrie, parce que Cantel étant l'opérateur historique, c'est lui qui fournit les capacités aux autres opérateurs. Alors, lorsque ce câble est mis à mal par ces travaux de route, c'est toute l'industrie qui en souffre. Et si l'industrie en souffre, évidemment, les clients aussi. Nous avons également beaucoup d'actes de vandalisme, n'est-ce pas, dans notre réseau. Et nous faisons régulièrement appel aux forces de l'ordre pour nous accompagner dans la recherche, n'est-ce pas, de ces malfrats, excusez le terme, oui. et qui mettent à mal... n'est-ce pas, notre progression vers une économie totalement numérique. Nous avons bien sûr nos tares, on ne peut pas dire que ce n'est que des facteurs exogènes. Ben, oui. Nous avons nous aussi quelques challenges et nous avons posé ces challenges sur la table. En ce qui concerne Camtel particulièrement, nous avons créé une direction du service client qui mesure, n'est-ce pas, la qualité de service que nous offrons, qui fait des enquêtes pour savoir si les clients sont satisfaits ou pas. Et chaque fois qu'il y a un problème qui est identifié, on trouve la solution durable, n'est-ce pas, pour que nos clients puissent être satisfaits. Donc, c'est une problématique majeure à laquelle nous tenons. D'ailleurs, nos deux axes de stratégie, c'est le « customer centricity » et le change management. Ça veut dire que désormais à Camtel, on a mis le client au centre de nos préoccupations et c'est lui qui est véritablement roi. Nous faisons tout pour nous assurer qu'il est satisfait par la qualité de service que nous lui rendons. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous savons que ce que nous faisons est perfectible et nous sommes sur cette voie, n'est-ce pas, de la perfection. Nos téléspectateurs vous regardent, ils vous écoutent et ils seront désormais très très regardants sur la qualité du service proposé par vos différents collaborateurs sur le terrain, parce que les plaintes sont énormes, hein, qui remontent jusqu'à vous, j'imagine. Bien entendu. Oui. Bien entendu, nous avons des outils qui nous permettent
d'avoir le ressenti des clients. Nous sommes aussi disponibles pour qu'ils nous appellent ou nous envoient des mails ou sur les réseaux sociaux pour nous faire part de leurs récriminations. Donc, nous prenons la peine de les écouter et nous prenons la peine de répondre à ces différentes préoccupations. Je vous propose, Madame, de prendre une petite pause de 30 secondes et nous revenons juste derrière pour aborder la situation financière de votre entreprise, le climat social et l'avenir de Camtel sous votre magistère. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel located upstairs, better than what you imagine. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission, dans cette édition de Autant le dire avec notre invitée, Madame le directeur général de Camtel, qui fait son bilan avec nous 4 ans après son arrivée à la tête de l'opérateur historique des télécommunications au Cameroun. Alors, Madame le directeur général, je vais vous reprendre cette citation, ce bout de phrase de votre tutelle il y a quelques années. Elle disait « Camtel et Campost devront désormais contribuer à renflouer les caisses de l'État et non à les délester comme c'est le cas depuis quelque temps. » Donc c'est Madame le ministre des Postes et Télécommunications qui le disait en 2015, 3 ans avant que vous n'arriviez à la tête de cette entreprise. Et elle s'étonnait qu'un peu partout dans le monde, les entreprises de télécommunications permettent au pays de s'enrichir, mais au Cameroun, c'est un peu des espèces de tonneaux des Danaïdes qui perdent de l'argent tout le temps. Alors, avant de parler de votre propre bilan à vous, de vos propres performances, revenons un peu sur l'état de la société dont vous avez hérité en décembre 2018, lorsque le chef de l'État vous a fait confiance. Quelle est l'entreprise que vous avez trouvée? Alors, lorsque nous prenons les rênes de Camtel, il faut dire que la situation n'était pas des plus reluisantes. Sur le plan de l'endettement, Camtel était très, très endetté, il faut le dire. Sur le plan des infrastructures également, comme je vous l'ai dit tantôt, lorsque le gouvernement a décidé d'ouvrir le secteur à la concurrence et de transformer carrément le secteur avec en prime la privatisation de Camtel, ceci n'a pas permis que nous puissions investir et renouveler l'appareil de production. Alors, si l'appareil de production n'est pas au point, forcément la qualité de service n'y sera pas. Absolument. Et si la qualité de service n'y est pas, vous n'aurez pas les clients. Si vous n'avez pas de clients, forcément, vous n'aurez pas les revenus qui sont attendus. Donc, c'est des situations qui, malheureusement, ont fortement impacté négativement sur Camtel pour qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons, si vous voulez, à cette époque-là. Il y a 8 ans, si nous parlons de 2015, il y a 7 ans, Camtel était dans une situation assez lamentable. Oui. Aujourd'hui, je pense que les données ont sensiblement évolué. Oui. Nous avons optimisé, je dirais, notre infrastructure. Nous avons optimisé notre gestion pour essayer d'investir plus sagement. Pour aller chercher les quick wins, c'est-à-dire des actions que nous pouvons mener et qui nous permettent d'avoir plus rapidement des revenus. Oui. Donc, nous avons, sur le plan du chiffre d'affaires, une augmentation de plus de 37%. Nous sommes passés une augmentation de 37% de votre chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, oui. En 3 ans.
Oui. Donc, nous estimons que c'est assez quand même, c'est assez encourageant. Oui. Alors, 37% dans l'esprit de ceux qui nous regardent, ça ne peut pas dire grand-chose, les chiffres. Bon, si vous voulez, nous avons pris la société, elle était à 108 milliards de chiffre d'affaires. Nous sommes passés à 113 milliards, à 156 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est ça qui fait cette augmentation de 37%. 37%. Ouais. En clair, aujourd'hui, Camtel gagne de l'argent. Oui, Camtel gagne de l'argent, parce que sur les trois dernières années, nous avons fait des bénéfices de l'ordre de 7 milliards, 6 milliards en 2019, 7 milliards et 7 milliards en 2020 et 2021. Et nous pensons faire plus, n'est-ce pas, à la fin de cet exercice en 2022. Oui. Alors, d'où vient l'argent de Camtel? Parce que vous êtes arrivé dans la téléphonie mobile, vous êtes le dernier né des opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui. Alors, quels sont les pôles sur lesquels vous appuyez pour essayer de renflouer les caisses de Camtel? Alors, Camtel, c'est une mastodonte, c'est trois opérateurs en un. Nous avons la téléphonie fixe, nous avons le transport et nous avons le mobile qui est notre dernier né. Donc, je dirais que c'est les deux produits qui sous-tendent, qui soutiennent, n'est-ce pas, l'évolution de Camtel et qui permettent à ce que nous puissions investir dans notre mobile en fibre optique à domicile et dans les administrations. Et avec ce produit, nous avons des revenus substantiels. D'ailleurs, c'est le gros, n'est-ce pas, des revenus de Camtel, ça vient du fixe. Et nous avons la branche transport. Et pour le dire, nous avons été certifiés ISO 9001, oui, version 2015, dans notre segment du transport. C'est lui, ce segment-là, qui fournit les capacités aux autres opérateurs. Donc, ils sont nos principaux clients et nous leur fournissons des grandes capacités en bande passante pour leur permettre de pouvoir connecter leurs différents clients. Donc, c'est aussi une source énorme de revenus pour Camtel. Et c'est ces deux activités qui permettent de soutenir le mobile qui est encore à son stade d'enfantin. Il y a quelques années, la situation sociale à Camtel était également désastreuse, pour ce que j'ai pu apprendre en préparant cette émission. Sur le plan social, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que les retraités de Camtel, est-ce que se sont régulièrement payés? Est-ce que les cotisations au niveau de la CNPS sont régulièrement payées? Parce que là aussi, ça faisait partie d'une grosse part de la dette de Camtel. Quelle est la situation sociale de Camtel aujourd'hui? Alors, nous sommes toujours dans l'évolution. Oui. Et évidemment, au départ, les chiffres étaient assez alarmant, en ce sens que notre dette envers la CNPS était de 20 milliards. 20 milliards de dettes à la CNPS. Tout à fait. Ah oui. Les cotisations n'avaient pas été reversées depuis 2012 et ça causait un problème majeur, n'est-ce pas, au niveau de nos employés, présents et ex-employés. Nous avons donc entrepris des négociations avec la CNPS en 2019 où nous avons payé tout d'un coup pratiquement 7 milliards pour commencer à amorcer, n'est-ce pas, le paiement de ces arriérés. Nous avons pris l'engagement de payer automatiquement tous les mois la dette en cours et nous avons pris l'engagement de payer une partie, n'est-ce pas, de l'endettement. Ce que nous avons fait de 2019 jusqu'en 2021. En 2021, nous avons eu quelques soucis avec la CNPS qui a exigé que nous payions l'ensemble des 11 milliards, ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, Camtel a des relations qui sont assainies avec la CNPS et tous nos assurés sociaux bénéficient de tous leurs avantages, que ce soit ceux qui sont encore employés à Camtel ou ceux qui sont des ex-employés de Camtel. Maintenant, pour les soldes de tout compte de ceux qui sont partis à la retraite, évidemment, nous avons une octroi de près de 4 milliards. Ceux qui allaient à la retraite n'étaient pas payés. Nous avons aussi envisagé d'éponger cette dette. Nous l'avons fait jusqu'à, nous sommes à 2,7 milliards que nous avons payés. Et je pense que la situation va s'assainir. Nous nous sommes donné comme deadline jusqu'au 30 juin pour éponger l'ensemble des arriérés et être à jour dans
les paiements des soldes de tout compte. Mmh. Donc, de ce point de vue également, le personnel est satisfait. Nous avons également trouvé des employés qui n'avaient pas de contrat. Pour dire, c'était exactement 436 personnels qui travaillaient sans contrat. Nous avons réglé. C'est-à-dire des employés d'une entreprise publique qui n'ont pas le contrat. Plus de 400. Oui. Donc, nous avons régularisé la situation sur les instructions du conseil d'administration, dont l'ensemble de ces employés ont eu leur contrat. Et ça va, bien entendu, avec les arriérés des situations. Mmh. Et évidemment, notre trésorerie ne nous permettait pas de payer d'un coup, n'est-ce pas, pour l'ensemble de ces 400. Nous avons également échelonné le paiement des arriérés suite à la signature des contrats de ces employés. Donc, vraiment, nous pensons que beaucoup a été fait sur le plan social. Mmh. Alors, et aujourd'hui, quels sont les avantages pour quelqu'un à travailler à Camtel? Nous sommes en décembre, par exemple, les fêtes de fin d'année, c'est bientôt. Bon, un employé ça, de Camtel. Il faut dire aussi que les employés de Camtel avaient oublié ce qu'on appelle en général le 13e mois. Oui. Donc, nous avons depuis 2 ans déjà systématiquement, nous payons l'ensemble du 13e mois. Avant, on essayait de payer par tranche. Et aujourd'hui, 13e mois, les rentrées scolaires se font sans problème à Camtel. Mmh. Alors, un certain nombre d'entreprises publiques comme Camtel, on peut citer d'autres, mais puisqu'on parle de Camtel aujourd'hui, ont parfois maille à partie avec l'administration qui ne paye pas ses factures. Est-ce que vous rencontrez, vous aussi, ce type de problème? Certainement. Oui. Certainement. Il faut dire que bon, l'État est notre plus grand client. Oui. Nous avons le devoir et l'obligation, Camtel étant une société d'État, de fournir ses services à l'administration camerounaise. Et nous savons tous que les paiements ne se font pas toujours automatiquement. Mais nous savons que de toutes les façons, ça va être payé tôt ou tard. Nous avons d'ailleurs des conventions de dette croisée avec notre tutelle financière, qui est le ministère des Finances. À la fin de chaque exercice budgétaire, on fait le point sur ce que nous l'administration leur devons, nous doit, oui. Ce que l'administration nous doit en termes d'impôts, de douane, de CNPS, tout ce que vous voulez, et ce que l'administration nous doit. Donc, on fait une compensation. On fait une compensation. Évidemment, l'État nous doit toujours. Mais nous avons également signé, n'est-ce pas, une convention avec l'État qui nous reverse un certain montant mensuel pour nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir continuer à maintenir notre réseau et tout. Et l'État paye. L'État paye. Alors, le marché de la téléphonie mobile au Cameroun est quasi caporalisé par les deux géants que sont MTN et Orange. Je vais poser une petite comparaison, Judith Yassonde. Il y a MTN, c'est 700 employés, Orange, 700 employés, et Camtel, tenez-vous bien, autour de 3500, vous me corrigerez si je me trompe, c'est bien cela. C'est bien ça, oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin à Camtel de 3500 personnes pour faire fonctionner cette boîte, franchement? Si nous prenons l'activité première de Camtel, qui est celle de la téléphonie fixe, oui. C'est une activité au capital d'individus. Mm. Nous avons, dans ce segment d'activité, nous devons tirer le câble, comme on dit dans notre jargon, et ça prend du personnel pour le faire. Nous avons les génies civils à faire, ça prend du personnel. Nous avons les poteaux implantés, ça prend du personnel. 3500. Oui. Nous avons des centres de transmission à faire fonctionner, à gérer, oui. À faire fonctionner. Donc, que vous le vouliez ou pas, ça prend du personnel. Donc, dans tous les cas de cause, ce nombre peut se justifier par le type d'activité. Dans le réseau, dans l'activité mobile, ils n'ont pas besoin d'autant de personnel, puisque c'est quoi? C'est un central avec des pylônes et puis des ordinateurs pour gérer le réseau. C'est tout. Mais dans l'activité du fixe, vous êtes obligé d'avoir du personnel sur le terrain pour aller faire des installations, des dépannages, ainsi de suite. Donc, ça prend forcément beaucoup de personnel. Mais il n'empêche quand même que
c'est énorme, c'est éléphantesque. 3500 personnes pour une entreprise comme la vôtre, peut-être qu'en réduisant la masse salariale, l'entreprise gagnerait un peu plus d'argent, non? Ou alors, comme c'est une On peut voir les choses différemment. Ou alors, comme c'est une entreprise publique, l'objectif, c'est de donner du boulot aux Camerounais. Pas forcément. C'est pas forcément. L'objectif de Camtel, c'est de donner du téléphone à l'ensemble, n'est-ce pas, des populations du Cameroun, que ce soit à l'arrière-pays ou dans les grandes métropoles. Même là où nous devons investir et que nous n'attendons pas forcément des bénéfices, nous sommes obligés de rendre ce service aux populations. Maintenant, par rapport à la masse salariale, oui, elle est élevée. Je dirais qu'il ne faut pas forcément diminuer le nombre de personnes pour avoir suffisamment de ressources pour investir. Non, il faut avoir plutôt un outil de bonne qualité pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, un service de qualité. Et si on a un service de qualité, on aura beaucoup plus de clients. Et si nous avons beaucoup plus de clients, nous aurons plus de revenus. Et ça nous permettrait de gérer cette masse salariale. Il faut dire, lorsque nous avons pris les rênes de cette société, nous avons fait l'état des lieux et nous avons fait une opération baptisée transfigurer Camtel en 100 jours. Oui. Et nous avons recruté 100 personnels techniques, techniciens et ingénieurs des télécoms que nous avons formés et que nous avons mis sur le terrain. Et figurez-vous, avec le travail de cette équipe, on a pu avoir 118 milliards en une année. Oui. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément en diminuant le personnel que on a des revenus supplémentaires. Donc, il faut simplement savoir comment les gérer et comment aller chercher le meilleur, n'est-ce pas, d'eux pour pouvoir avoir le plus de revenus possible. Et notre ambition, il faut le dire, c'est de porter Camtel à 450 à 500 milliards de chiffre d'affaires par année. Oui. Et nous sommes convaincus que nous allons y arriver. C'est très ambitieux. Oui, et c'est possible. Oui. Ah oui, c'est possible. Parce que, il faut le dire, hein, nous avons un modèle sans publicité aucune. Sonatel fait 460 milliards de chiffre d'affaires. Nous pensons que nous pouvons faire pareil, sinon plus. Alors, est-ce que vous êtes quand même au courant que dans l'opinion, on considère Camtel comme la société d'État dans laquelle on recycle les enfants des ministres, les femmes ou alors les copines des grands de ce pays. Vous êtes au courant quand même qu'on dit ça Oui, je suis au courant. Mais vous savez... C'est une image réelle ou alors une image d'Épinal? Bon, ça, c'est ce que les gens disent. Mais je pense que ils ont le droit. Oui. Qu'on soit fils de ministre ou bien épouse de ministre ou tout ce que vous voulez. Vous êtes Camerounais, vous avez le droit de travailler. Vous On n'en doute pas. Voilà. Donc, si vous avez le droit de travailler, pourquoi est-ce que Camtel ne vous emploierait pas? Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils sont... Ils rendent le service qui est attendu d'eux? Est-ce qu'ils justifient leur salaire? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, de mon point de vue, je considère tous mes collaborateurs comme employés de Camtel et à ce titre, ils sont tenus de travailler. Et je leur dis toujours, le salaire, c'est la contrepartie d'un travail effectué. Donc, que vous soyez qui que ce soit, vous devez produire les résultats qui sont attendus de vous. Et j'irai plus loin en disant, écoutez, peut-être que vous ne l'avez pas dit, moi-même, je suis l'épouse d'un premier ministre. Oui. Il y en a qui ont dit, oui, je suis premier ministre, je suis directeur général parce que... épouse de premier ministre. Ainsi de suite. Oui, oui. Mais je m'apprêtais à vous le demander. Justement. Voilà, très bien. Alors, moi, je pense que j'ai fait des études solides qui me permettent de pouvoir aspirer à ce poste. Et je pense que mes résultats démontrent à suffisance qu'on soit épouse ou fils de qui que ce soit. Si on se met au travail, on va produire les résultats qu'il faut. Et je crois que c'est ce qui compte. Et je le rappelle à tout le monde que vous devez travailler, mériter le nom que vous portez, vous faire vous-même votre prénom et démontrer que vous êtes capable de produire les résultats, sinon mieux que les autres.
En clair, vous êtes satisfaite par le travail et les performances des fils d'eux qu'il y a dans cette maison? Vraiment, ça m'intéresse peu qu'on soit fils d'eux ou pas. Tout ce que je veux, c'est les résultats. Tout simplement. Et pour l'instant, vous n'êtes pas dessus? Pour l'instant, j'ai les résultats qu'il me faut. C'est tout. Quelles sont, madame, les réformes que vous entendez entreprendre dans les prochaines années pour continuer à accroître la performance de Camtel? Vous aviez une ambition assez forte tout à l'heure, passer le chiffre d'affaires de Camtel à un peu plus de 400 millions. Quels sont les leviers sur lesquels vous comptez vous appuyer pour réaliser de telles performances? Quand même, c'est assez ambitieux, hein? Oui. C'est très ambitieux, il faut le dire. Oui. Mais c'est possible. Et c'est possible tout simplement si nous nous organisons mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Oui. C'est une question d'organisation tout simplement. Il y a beaucoup de gaspillages qui se font, il y a beaucoup de déperditions qui se font, il y a beaucoup de complaisance. Alors, je dis toujours à mes collaborateurs, vous savez, la discipline, c'est ce qui rapporte le plus dans toute organisation. Si nous prenons simplement l'exemple de nos établissements scolaires, ce n'est un secret pour personne que les établissements missionnaires, oui, n'est-ce pas, donnent des meilleurs résultats que les autres, parce qu'ils sont disciplinés. Si nous prenons le cas des hôpitaux ou de la recherche, nous savons qu'en général, les hôpitaux militaires sont les meilleurs, parce que dans l'armée, il y a la discipline. Oui. Si vous êtes discipliné, vous aurez les résultats, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Donc, nous pensons qu'à Camtel, si tout le monde vient au travail à l'heure, si tout le monde fait ce pour quoi il est payé, forcément, Camtel va être transformé et notre chiffre d'affaires va être multiplié par 3, 4. C'est possible sans investissement supplémentaire. D'ailleurs, nous avons eu une étude qui a été faite par le cabinet international PricewaterhouseCoopers. Oui. Et ils nous ont fait savoir, les résultats de cette étude ont démontré que Camtel perd pratiquement 3 fois son chiffre d'affaires dans du mauvais travail, dans... La bureaucratie. La bureaucratie, dans du faux, dans... La fraude. Dans la fraude. Oui. Alors, si tout ça, si tout ce métage est fait, le chiffre d'affaires de Camtel sera multiplié par 3 sans investissement supplémentaire. Et c'est le levier sur lequel je compte m'appuyer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, à Camtel, nous sommes rigoureux dans le travail. Moi, je viens au travail à 7h20, 7h30 maximum chaque jour et j'oblige mes collaborateurs à faire pareil. Donc, si tout le monde fait son travail, les données vont changer. Et je pense que l'ensemble des Camerounais seront fiers de leur opérateur historique. Pour mener à bien toutes les réformes que vous envisagez, vous avez besoin non seulement de la confiance de votre conseil d'administration, mais également de votre tutelle. Alors, quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec votre conseil d'administration ainsi que votre tutelle? Ça va? Je pense qu'il faut préciser que lorsque nous avons eu les 3 conventions de concession en 2020, oui, elles étaient accompagnées d'un cahier de charges. Absolument. Avec une obligation de transformer Camtel dans 3 ans. Oui. Et cette transformation passait par la mise en place d'un continuum organisationnel ouvert avec la création des unités d'affaires chacune adossée sur les 3 licences. Et au terme de cette transformation, à l'horizon de 3 ans, nous devions avoir 3 entités indépendantes et autonomes, et Camtel servirait de holding à l'ensemble de ces 3 filiales. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans de cet engagement. Et nous avons créé les 3 business units, nous les avons pourvus en personnel et nous continuons à le faire
pour que d'ici 2-3 ans, qu'elle soit vraiment autonome et qu'elle puisse voler d'elle-même sans qu'il n'y ait de subventions croisées, n'est-ce pas, entre les différentes business units. Et il faut le dire, notre tutelle technique nous a fortement accompagnés dans ce processus. Mmh. Nous avons travaillé sous les instructions et sous la supervision de notre tutelle technique, évidemment avec l'appui de notre conseil d'administration qui nous accompagne assez régulièrement et très fortement sur ces différentes activités. Nous avons également notre tutelle financière qui, je dirais, est rentrée dans le jeu avec les contrats de performance qui vont désormais être signés entre Camtel et le Minfi. Et de ce point de vue, un diagnostic a été fait avec des recommandations pour améliorer les différents manquements qui ont été relevés. Donc, nous avons le soutien de nos deux tutelles et de notre conseil d'administration. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous lire ce que vous disiez l'année dernière. Je vous cite. Camtel entend jouer un rôle majeur dans la transformation digitale et le développement de l'économie numérique de notre pays en apportant à ses clients des solutions fixes de communication électronique par fibre optique. L'année 2021, placée sous l'angle de l'excellence opérationnelle, sera consacrée à l'amélioration de la qualité de service, à l'innovation et à la collaboration avec les acteurs de la gestion urbaine pour faire des villes du Cameroun des smart cities au service des populations. Alors, c'était une ambition. Vous maintenez cette ambition pour 2023? Absolument. Camtel a pour vision d'être une société citoyenne qui apporte un service de qualité, innovante et qui fait des villes numériques une réalité. Oui. Donc, nous travaillons très dur pour que cette vision puisse se matérialiser. Et nous sommes sur la bonne voie. C'est un processus qui, nous l'espérons bien, au terme de 2 ans, pourra être très perceptible. Judith Yassonde, directeur général de Camtel, merci. C'est moi qui vous remercie, M. Tanya. Merci d'avoir accepté cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. À bientôt.